avez la pêche, aujourd'hui on est super contente de se retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester les fournitures scolaires de chez Wish à moins de 1€. Alors très original parce que vous savez très bien que nous Wish c'est vraiment un site qu'on adore, c'est passionnant, vraiment de la diversité. Le seul point négatif c'est que le délai de livraison il est quand même assez long, mais en tout cas ce site il vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a reçu les articles que je vais vous présenter gratuitement. Cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée, seulement on les a reçus gratuitement, donc merci beaucoup à la marque Wish. On a un code promo que je vous affiche sur l'écran, c'est toujours à prendre, sachant que c'est déjà pas cher et que les codes promo sur Wish sont assez rares, très rares. Donc n'hésitez pas à profiter du coup de notre code promo. Alors par contre, on sait pas du tout comment la rentrée scolaire 2020-2021 elle va se passer. Avec le confinement, le corona et tout. En tout cas, on croise les doigts pour que tout va pour le mieux possible. La fille elle bégaye, elle a pas envie de retourner en cours. Eh non, c'est surtout que j'ai pas eu de français depuis des années. Non mais vraiment, j'espère que le cours on allait pas continuer en septembre. On va commencer avec la trousse scolaire. Dans une trousse, on a toujours besoin de crayons de bois, de feutre, de règles, de plein de trucs. Donc on va commencer par confectionner la petite trousse. Bon, qu'est-ce que nous avons besoin? Une trousse pour 1€, c'est absolument pas cher. Ça ressemble un peu à licorne, un peu métallisé comme ça. Holographique, efficace. Est-ce qu'il existe en coloris bleu? Il y a plein d'autres couleurs. Je pense qu'il y a des bleus, gris, plein de couleurs. Bah moi clairement j'aurais pu pris bleu ou gris que rose, merci. Et donc franchement pour une petite trousse, honnêtement je vais être très honnête, hein, je vais l'utiliser pour mes cours. Donc voilà, petite trousse très sympathique, ça va top. On reste dans le thème de tout ce qui est holographique, etc. Avec plein de crayons de bois. Alors vous voyez ce qui est vraiment bien, c'est que ça coûte pas cher et il y a plein de crayons de bois. Clairement tu fais ton année avec tout ça. Et le pire c'est que au bout du crayon de bois il y a une gomme genre. Ici il y a la petite gomme. Et puis ici en fait il faut vraiment tailler le crayon, vous voyez. Bah d'ailleurs on va passer à un taille crayon, d'accord. Donc regardez, ici on a un petit taille crayon qui est automatique me semble-t-il. Enfin on va voir. Ça j'adore. Et allez. Trop bizarre, regardez. Voilà, là il est enfoncé dedans, c'est nickel. On va mettre le crayon ici. Yolande, est-ce que tu peux venir tourner s'il te plaît? Bien sûr. Non, ça va pas. Là c'est coincé, okay, genre. C'est l'intérieur qui n'est pas enclenché correctement. 5 minutes later. En fait, souvent c'est pas utilisé, soit il ne va pas, je ne sais pas. Clairement, là, ça me saoule. Bon, écoutez, ça c'est un gros fail, on va passer à autre chose. Alors ensuite, nous avons ici, regardez, c'est trop cute. Un souvenir. Non, on a tous besoin d'un stylo pour écrire. Nous avons plein de couleurs, du rose, du bleu, du noir, du bleu clair, du marron, du violet, du rouge, du orange, du jaune, du vert. On a plein de couleurs, c'est archi bien, on va voir si ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que c'est encore licorne. Ils ont quoi le biche avec licorne? Je sais pas. Ah, bien diversé. J'ai rien à dire, ça franchement je vous recommande. Tu vois, c'est bien parce que dedans t'as au moins 10 couleurs en un stylo quoi, donc ça fait 10 en un carrément. Alors maintenant nous avons deux tailles crayons qui s'étaient vendus ensemble. C'est des petits Starbucks, vous voyez, de couleur bleue comme ça, très mignon. Parce que malheureusement l'autre ne fonctionne pas, du coup on va l'ouvrir. Trop cute. Oh my god. C'est pas des tailles crayons, ce sont des souris. Les gars, ici on a un carton, on va voir si le surligneur... Oh, mais la souris elle fonctionne archi bien, wesh. Non franchement ça fonctionne bien, faut juste bien l'utiliser. Ça fonctionne super bien. C'est petit, c'est beau, c'est esthétique, c'est pratique. Donc ça, je vous conseille à 10%. En plus, ils en vendent deux. Alors ça, je vous avoue que j'ai déjà testé. Ce sont des surligneurs qui sont trop cute que j'avais vu sur le site YesStyle. Et ils fonctionnent toujours au jour d'aujourd'hui, au bout d'un an. Regardez, je les adore. Ça, dans une trousse, c'est minimaliste, c'est tout petit, j'aime trop. Alors là, du coup, on a 7 petits stylos. Il y a plein de coloris différents. Je me souviens qu'il y avait un pote à moi qui avait toujours ce genre de stylo. C'était incroyable et des stylos que je kiffais parce qu'il y avait une gomme, vous savez, tout en haut. Et donc il arrivait à gommer son stylo. On va faire un essai. Là, je vais mettre un L. On va essayer de le gommer. Mais je suis choquée, les gars. C'est exactement le même stylo qu'on peut retrouver à Auchan, Leclerc ou n'importe où. Je suis choquée. Et ça, c'est la gomme. C'est vraiment les mêmes, genre. Et après, nous avons pris également sur le site Wish un petit carnet comme ça. Il est tout petit, tout mignon, de couleur rose. Après, c'est pas un carnet que j'utiliserai moi personnellement. En fait, ça c'est bien, tu vois, pour mettre genre tes dentilles sèches ou les bails comme ça, tu connais. Non, pris de préparation sèche. Juste, je sais pas, c'est sympa. Genre, tu mets ton petit planning, des petits trucs qu'il faut pas que tu oublies et tout, c'est sympa. Franchement, j'aime bien, c'est assez mignon. C'est vraiment trop mime, il y a pas mal de pages. Les gars, j'avais besoin d'un ciseau. Chez Wish, c'était 1€. Il est génial. Mais il est hyper pointu. Maintenant sur le site Wish, nous avons pris 3 gommes de couleur pastel. Donc il y a rose, bleu et violet. Ça c'est bien pour les fans de gommes, je sais qu'il y en a. Et du coup bah écoutez, c'est un basique à avoir. J'ai l'impression sur le site Wish, c'est pas des gommes basiques, des stylos basiques etc. C'est toujours dans un petit style un peu mignon et tout. C'est ça, c'est toujours un peu mignon WTF tu vois. Les gars, sur le site Wish, pour nos fournitures scolaires, nous avons pris une agrafeuse qui a une tête de chien ou de panda. Panda, c'est un panda ça.
Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que déjà, il est trop mime. Regardez-le. Il est tout petit, donc il passe dans la trousse. Et surtout, il y a les agrafes qui sont vendues avec genre. Ouais, je suis choquée. Pourquoi? Bah parce que c'est exactement comme à Auchan. Alors que t'achètes ça 1€. Vraiment, je suis choquée. Ici, je crois que c'est des sortes de surligneurs. Mais t'es pas des surligneurs normales. Genre, c'est des surligneurs... Non, non, non. Oui. Je pense que ce sont des surligneurs, vous savez, genre qui dessinent un chien... Des bails comme ça genre. Donc voilà du coup à quoi ça ressemble. Donc regardez, sur le carnet je vais surligner. Regardez ça, c'est trop chou. Et bah écoutez les gars, je valide. En fait je suis un petit peu choquée. Si vous voulez sur le site Fiche, on a acheté des feutres où on a dit qu'avant ça coûte 1€. Non ça c'est pas 1€, ça c'est l'exception de la commande. Et en fait il y a énormément de feutres. Après ça moi je connais ce style de feutre. Tu l'utilises une semaine après ça va plus. Et bah on va les essayer. Donc là on va tester le bleu. Oh my god! Ça me trop bien! Wouhou! C'est des fêtes, alors, n'est-ce pas? J'aime trop. Franchement, mais j'aime trop. Je suis archi fan de Yo. Après, c'est des fêtes, tu vas me dire. J'aime trop. Vraiment, je valide à 100%. C'est bien. Alors, du coup, voici la petite trousse. Plutôt sympathique, sympatoche. Elle est clairement remplie. On n'a pas tout mis à l'intérieur parce que, avec les feutres, il y a déjà 48 feutres. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait découvrir davantage ce que Wish vend pour la rentrée scolaire 2020-2021, n'hésitez surtout pas à la liker. Et si vous avez vraiment kiffé et que vous désirez une deuxième partie dans laquelle on teste d'autres produits sur d'autres thèmes, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Ça serait avec grand plaisir de vous filmer cette vidéo. En tout cas, nous on vous embrasse très très fort. On vous dit à très vite. Ciao!